Oh, si elle sort là-bas. Si elle sort. Oh, si elle sort. Ouais! Yeah.
De Fédéral 1, un engagement physique qu'on avait rarement connu cette saison. Ben, une équipe calibrée pour la montée en Pro D2. Je crois qu'on a prouvé aussi encore une fois que cette équipe de Bobigny cette saison, il y a du cœur. Il y a du cœur, on fait une première mi-temps, je crois qu'elle est quasi exemplaire. Je crois qu'on tourne à plus 10 à la mi-temps contre une équipe qui a été surprise, hein, parce que je pense que c'était arrivé avec pas mal d'a priori. Et on a donné tout ce qu'on avait encore une fois. Et sur la première mi-temps, ça passe. Et sur la seconde, je crois que leur expérience fait le reste. C'est dommage. Après, grosse frustration quand même, parce que c'est les moyens de prendre 4 points de terrain aujourd'hui. On n'en prend que 2. Donc, tout reste possible. Ben, difficile, oui et non, parce que la pression, du coup, elle est sur leurs épaules. Et je crois qu'il y a des objectifs périlleux avec une mairie qui soutient son club, des sponsors qui soutiennent, un président qui a des ambitions. Donc la pression est sur leurs épaules. Nos ambitions, c'était un quart de finale. Et puis maintenant, on veut se faire plaisir. On lâchera rien. Puis on ira avec de grosses intentions, bien sûr, parce qu'on l'a vu cet après-midi quand on se met à jouer. Je pense qu'il y a largement la pression. Pas trop gros. Content parce qu'on a vraiment bien rivalisé avec cette équipe de Périgueux, qui sont, faut le noter, des joueurs professionnels. Alors nous, on n'a que quelques joueurs professionnels et une bonne partie plus réactive, donc content de voir que, pour ma part, au moins physiquement, on a, même malgré des gabarits plus importants, on a quand même rivalisé. Mais je suis content de l'opposition qu'on leur a donnée et je pense que ça va les rendre peut-être, j'espère, un peu plus humbles quand même pour la suite. Et puis match retour, c'est 0-0, donc sur un match, tout est possible. Très bonne équipe de Bobigny qui est très joueuse. Match nul pour nous, c'est bon résultat oui et non. Rien n'est joué, on va avoir un match retour. Très très bonne équipe de Bobigny en tout cas, avec de grosses individualités. On aura l'invité. Je suis tombé amoureux de Carlos il y a 20 ans et j'ai mis des mails à copain d'avant et je suis content d'avoir retrouvé aujourd'hui. Et voilà, comme j'ai dit, c'est le rugby, ça tient à peu de choses, c'est des souvenirs. Moi, je me rappelle encore, j'ai des photos, tout mince. Je te rappelle, contre l'Écosse. Tout gros, toi. On était en équipe de France scolaire ensemble, et voilà, donc comme quoi le rugby, c'est ça, on retrouve des gens, et ça fait plaisir. Voilà. Même si, je suis un peu déçu d'avoir fait un match nul, mais c'est le. Mais bon, je suis content d'avoir retrouvé Marco, c'est le principal que je dis, c'est ce que... Il est bon parce qu'un match nul, c'est comme le mec a été éliminé alors il n'y a rien de fait. Je sais très bien qu'avec l'état d'esprit qu'il a et Philippe Canto, ça va être un bon combat du match prochain et que le meilleur gagne. Philippe peut-être il aura du mal à être là parce qu'il travaille. Le problème de Bobigny, c'est qu'on travaille aussi au niveau des entraîneurs. C'est vrai. D'ailleurs, mes collègues n'étaient pas là aujourd'hui parce qu'ils sont boulangers, ils se sont levés à 5h. Ils ont livré le pain et ils n'ont pas pu venir au match aujourd'hui. Voilà. Donc, il ne sera pas là, c'est pas une blague. Je te le présenterai dimanche prochain. D'accord. Merci messieurs. Super journée encore, hein. Après la journée de la semaine dernière, super journée. Hein. Un match enthousiasmant. Bobigny plus qu'à la hauteur, des joueurs vaillants, des joueurs courageux. Un match nul qui ne reflète pas forcément l'image du match. Une victoire nous aurait mieux valorisé, mais on l'a gagné de toute façon dans
dans le cœur, c'est une victoire, on va dire. Dans le cœur, c'est une victoire. Je suis sûr que ces gens de Périgueux qui ne nous connaissaient pas, qui, c'est vrai que pour eux, on n'est pas dans le paysage du rugby, vont quand même maintenant réfléchir que le rugby, c'est pas qu'il y a Périgueux. Et puis, j'espère que la semaine prochaine, on va leur montrer qu'on a du cœur et puis qu'on va les gagner là-bas. Voilà. Grosse satisfaction aussi, la finale des filles. Hein. Nos filles fédérales 2 sont en finale du championnat de France. On va dire qu'aujourd'hui, je suis un président complet.